Et là, hop, et là, quand tu vas au fait que là où tu descends de ta monture, c'est là où t'as le mec qui va pop. Voir. Ça dit, ils disent que c'est là. Donc, quand Ok. tu vois tout le monde qui y a déjà. Ah oui, ça charge, il y a de plus en plus de monde. Ouais, et puis là, il est minuit tout pile, là, dans pas longtemps, ça va commencer Ah, là. il est 23h59 exactement. Ouais, sur mon PC, il est minuit. C'est parce qu'il est pas à l'heure. Il n'y a pas de 2 minutes de décalage de chez toi à chez moi, Bah bien évidemment, il y a 2 heures de décalt entre chez toi et chez moi. mais il y a 2 heures d'écart, mais... 4 heures, pardon. 4 heures d'écart. Hein. Je pars de chez moi, j'arrive chez toi 4 heures plus tard, donc si, il y a 4 heures d'écart. Ça sous-entend pas non plus que... Ouais, on parle pas de fuseau horaire. On Voilà, parle de quoi. distance on temps, tu vois. T'imagines si le décalage de horaire, c'était la distance entre chacun des lieux, quoi. Tu serais pas dans la même semaine d'un côté de la Terre à l'autre, Ouais, c'est clair. C'est vrai que BFA, en même temps, c'était une extension de merde, BFA, je vais pas se mentir. Oh, ouais, c'était sympa. J'ai beaucoup aimé J'ai pas aimé. l'assaut là sur Boralus, le siège de Boralus. Non, Avec ça c'était Taylor, l'instant, je là? suis un connard. Ah, ouais, c'est ça, c'est la bataille de Dazar'alor, voilà. Ça c'était cool, j'ai vraiment kiffé. Hein. Avec Jaina, ouais, c'était un petit peu bien, tu vois, mais moi j'ai pas été forcément très très loin. Après, j'avais test quoi? J'avais test Kelred avec Ashara. Pareil, je l'avais fait Ouais, avec bah, le Ashara. palais, le palais. Ouais, bah j'avais fait un peu ce raid-là. Et puis, Mmh. bah, pas plus quoi. Bah, il était sympa. C'était loin d'être mon préféré, mais j'ai Ouais. beaucoup aimé faire les traits sur les boss. Il Mais était c'était sympa, c'est en surtout. termes de strat, j'ai bien aimé faire Ah, ah, ce ah, ah, raid. ah, 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 ça y est, c'est lancé. Comment tu sais? Ah oui. Ouais, t'es complètement bourré, on voit plus rien. Rejoignez-moi. Ok. Dites-moi ce qui s'est passé. Par contre, t'es bourré là, c'est un peu perturbant là. Ouais, c'est chiant, c'est les mecs là comme ça. Hop, la petite cinématique d'intro de Shadowlands du coup. Ah On bah va la ça me regarder. permettra de l'avoir. Comment? Ça me permettra de l'avoir, tiens. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. Oui! Avec Naxxramas, putain de ton. Ah, je m'en rappelle quand on avait fait Requiem, gros. Ah oui, c'est vrai, putain, ça fait vraiment des années. Ça date de ouf. Je crois que j'ai tenu 2 jours avant d'en avoir marre. Même pas. Et hop, la roquet. Elle a récupéré le pouvoir du roi de ses objets. J'étais même pas au courant. Il a détruit le casque du roi Lich. D'accord. Et pour l'histoire, enfin le lore là récemment, je l'ai même pas suivi. Hein. Ah, bah là, t'as un petit résumé de ce qui se passe avant Shadowlands, ce qui fait pas. Il n'y a pas le son du jeu par contre. T'as pas le son? Ah si. Mais faiblement en fait, je ferai pas Je l'histoire. l'augmente, c'est bon. J'entends ta voix comme Jaja. Ouais, c'est bon, j'ai tout monté. Tout est bon. Ah, je suis déjà à la moitié de haut, quoi. Installation. Comment il vient de se faire enlever comme une merde. C'est grave. Ouais, je trouve un Sa Shogardadi. venue annonce Quoi? votre fin. Quoi? Je dis, il faut que je trouve un Shogardadi. Ok, donc on a vu ça. Le fort de la lame d'ébène, Aegirus, s'est déplacé à la couronne de glace. Ma porte de la mort va vous y conduire. Volvar Fordragon a récupéré de son combat contre Sylvanas Courcevant
Il nous attend avec nos alliés. Ok. Avant que ces créatures enlèvent le dirigeant, la reine Banshee a lancé la contre la couronne de glace. Elle s'est frigée jusqu'au trou de glace et s'est emparée du home de domination. Il vous suffit de lever les yeux au ciel pour en voir les conséquences. Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est... En fait, limite, tu reviens dans le passé, quoi, en fait, Shadowen. Non, même pas. Ah, les fragments du... C'est vachement stylé, ce qu'ils ont fait pour les points d'intérêt, pour les quêtes et tout, là. Ouais, et il y a... je sais pas si tu... Non. Ah. Ouais, j'écoute tes instructions, vas-y, parle. Je ferai mon possible pour vous aider. Disposez les éclats de domination autour du cercle runique. Et le rituel pourra commencer. Le pouvoir du haut est insidieux. Il me fallait toute ma volonté pour réussir à le contenir. Bien des fois, j'ai failli... Ah, je peux pas utiliser... Jouer des engages pour arriver direct là-bas, mais... D'ailleurs, en reprenant le jeu, j'avais vu que j'avais l'accès fermé à la bêta du début, parce que j'avais buté le boss en mythique, mais que je l'avais jamais lancé. Et du coup, j'ai la bêta ouverte aussi dessus. Du coup, ça me sert à rien parce que je vais jamais quasiment sur le bêta. J'ai jamais accès au bêta. La seule bêta que j'ai eu accès, c'était Valorant. Vous devez aller où je ne Putain, faut vraiment faire tous les... C'est simple, j'avais laissé toute la nuit mon PC tourner sur des Twitch giveaway. Et un matin, je me réveille. Oh, j'ai ma dorée. GG. Oh, je peux le faire de loin. Darion Mogren est volontaire pour combattre à vos côtés. Aucun vivant n'a jamais... Oh, les décapants d'arène. DK plus périn. Ah non, mais. Il y a des nouvelles classes ou... Tu peux tout faire en DK en fait. Toute la race. Oui, bah avant c'était ça aussi. Non. Tu pouvais pas les pandarènes et trucs comme ça. Mais là, il y a des nouvelles races, des nouvelles classes ou pas du tout, du tout. Non, pas encore. C'est de la merde. L'extension précédente, il y avait des races ennemies, mais là, ils auraient pu faire quelque chose, quoi. J'ai l'impression qu'on va se téléporter. Sur la dernière classe qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était Chevalier de la Mort. DH. Ouais. Et c'était pour... Pour Légion. Non, Légion. C'était fin de Draenor, ils avaient mis les DH. Ouais, tu vois, il y a 2-3 extensions quand même. Hein. Ils ont rajouté plein de races hein, durant cette extension, durant BF1. Hein. Oh, le chargement ouais, est mais beau. Ils auraient pu mettre une classe, quoi. Mm. Ah, tu vois, je vais choisir les vampires. On a le choix entre 3 factions, soit les espèces de petits dieux là, les machins de la terre et tout, avec les bras, les centaures et toutes ces merdes là, soit les vampires. Je vais choisir les vampires. Mais le truc c'est que moi j'ai tendance à jouer mon chamanil, tu vois, on peut faire les quêtes, c'est un peu chiant. Ouais. Bah tu passes en LM pour faire les quêtes. Ouais. Vous avez passé la faille. Ça me donne trop envie d'y rejouer. Cette mission serait bien mal engagée. Tu verras que là, il y en a qui vont rush comme des gros porcs là toute la nuit pour être level 60. Ouais. Ah, votre monture ignore votre appel dans l'antre. Pas de monture. D'ici. On vous retrouvera plus loin. Attends, mais c'est... Là, t'es bien content d'être chaman pour pouvoir te déguiser afin de transformer le fantôme. Hop, tant qu'il est en train de taper sur mes pets.
Hop. Je fais le quête en même temps. Vu ce que j'ai comme classe, enfin, ça... Si je dois avoir chaman, mage, je crois que c'est tout. Du coup, je dois avoir un prêtre level 40, s'il te plaît. Mon prêtre qui était level 110, c'est Ken qui est level 40 maintenant, s'il te plaît. Ouais. Moi je termine là-dessus. Un seul but nous anime, la vengeance. Sous clair, on ordonnera à la lame d'ébène d'attaquer votre adversaire. Donc là il y a une quête. De portée de la cible. Ouais, du coup les druides ils se mettent bien. Hein. Ah, je suis choqué, mon oncle il est même pas connecté sur le code extension. On peut ajouter un mob qui est par là, là. Qui est déjà mort deux fois. Il est où mon pet, putain? Ah, ça va me saouler. Il est bugué. Allez, j'appelle la lame d'ébène. Venez m'aider. Bang! Là, on a récupéré. On a récupéré. Le tir d'exécution pour taper très fort sur les mobs qui ont moins de 20% de PV. Tir mortel ? Exactement. Il n'y a pas de paix pour nous. Pas de repos. Les ennemis qui rôdent ici sont bien plus nombreux que nous. Évitons d'attirer leur attention. De la magie du givre. Sans doute l'œuvre de notre cher. Regardez, nous marque aussi où sont les quêtes. Le combat semble avoir continué dans cette direction. Yep, avant avant t'avais pas ce genre de script. Non. Dame Corveille en a pas chômé, on dirait. Il serait imprudent de briser le champ. Un petit cochon. Ne restons pas là. Ouais, c'est Sylvanas qui a fait ça. Tu as planté des cochons partout? Non, elle a métamorphosé un mob. En fait, il est juste une grosse pune, Sylvanas. On va pas se mentir que c'était une grosse connasse. Ouais. Complètement fumé, mais. Et côté Horde, la machine comment là, Sylvanas. Pareil. Merci d'avoir volé à mon secours, Jaina. Il y a quelque chose dans le ciel. Ils nous ont repérés. Attention. Débattez-vous tant que vous voudrez, mortel. Nul n'échappe à son destin. Ok, d'accord.